Glicouri, nouvelle la gaye, mesdames et messieurs. Et nous souhaitons bienvenue encore une fois au sous TV la kaye Haïti.com. Et nous portons toutes les nouvelles qui ont dominé l'actualité pour vous dans le pays d'Haïti. Mais avant tout, nous disons grand merci à tout le monde, toutes les amis, tous les amis compatriotes. Et quel que soit côté où il y a dans le monde, ça, nous souhaitons bienvenue. Bon, nouvelle que nous portons pour vous là, information, et nous avons dit qu'il y a 99% confirmé. Eh bien, Vladimir Poutine là, monsieur, décidé, question Haïti, il prend en charge. Question bandit et sécurité cap valé terrain dans pays a Vladimir Poutine président russe monsieur fourré pied dans bataille ça il y a un pile question cap poser est-ce que les États-Unis vraiment a quitté eh bien Vladimir Poutine qui est déjà dans conflit avec lui vini débarquer Haïti là vini mettre mercenaires russe qui ont même déjà sous sol là selon information que nous gagnons eh bien mesdames et messieurs dans moment on a parlé là un pile bandit commence à gendarmer parce que depuis russe on côté nous pas besoin dire qui ça ka fait même les États-Unis ou cap ouvert col là ben nèg yo respecter russe parce que nation ça pas dans jouette Vladimir Poutine pas dans jouette et depuis tout ça a parlé tout temps pays a tremblé tout monde là tremblé c'est Vladimir Poutine. Bon, allez, l'autre nouvelle que nous portons pour là et mais qui fait un pile et monde triste, c'est par rapport avec trois nouveaux policiers ça qui ont même tombé en babal la chef gang Timakak dans la boule 12. Mais je dis à là trois policiers encore tombés. France LB, un vieux et directeur police qui pas utile en rien dans pays ça, police a tombé à gauche à droite et moun ap mouri chaque jour. Bon Dieu mette monsieur bébé. On paquet opération tête chat, on paquet opération brigandaille qui a fait, nèg yo pa jam ka débarquer dans village, pa jam ka débarquer Torsel, pa jam ka débarquer Dimiso al prendre mon sanjou, nèg yo chita font paquet opération arrêter ti moun, arrêter ti bandi et puis gros autobro même nèg y a protégé. En tout cas, jodi a la ti makak font bot encore côté monsieur arrivé, fusillé, boulé, raché trois policiers. On va inviter en détail n'a tourner. Et mesdames, messieurs, non, moi, on a parlé là par rapport à documents secrets qui sont bon côté le Pentagone, gagne un mouvement de panique là. C'est-à-dire que justement, des documents qui prennent la rue, qui pas supposé sortir, mesdames, messieurs, côté que nous apprenons que des mercenaires russes, eh bien, qui déjà, supposément déjà, en Haïti là, supposément pour combattre gang. Des mercenaires russes, Jean Noudoulan, mesdames, messieurs, qui t'a déjà. Et mettre pied sous sol noir là pour attaquer gang. Est-ce que c'est pour attaquer gang ou est-ce que c'est l'autre bagaille qui a parlé ou encore là? Si vraiment mercenaires ça yo ta là ou yo ta envisagé pour yo rentrer vraiment, et qui est-ce qui a autorisation? Parce que ni moi-même ni ou même nous connaissons gouvernement gang ça pas jeune accepter que la Russie, que des Russes rentrent en Haïti pour venir de yo, puisque nous connaissons yo papa gang nan, puisque nous connaissons yo qui chef gang nan. Donc mesdames messieurs, gain débat, faut que nous parler c'est très très sérieux parce que non moment on a parlé là tout le monde a posé cette question côté 4 ça sorti et puis nous va voir plus de détails parce que grand pile gros dossier nous va parler. Puis mesdames messieurs, malheureusement eh bien non moment on a parlé là nous apprendre gain opération la police nous t'entend tout ça, malheureusement gain 3 policiers qui perdit la vie yo, et ça avec un pile tristesse que nous annonçons ça qui confirme bon côté la PNH. Nous va voir plus de détails mais avant ça lui, que ou la gué information depuis grand matin, nous avons dit pendant tout le monde, non, le Christ enlevé, Christ ressuscité, a chanté Gloria, et mais pendant tout chrétien catholique, a chanté Gloria, et bien, il y a une information qui fait bon, donc, on va dire, le Jésus a ressuscité dimanche, pas dimé, et mais comme chrétien, on même toujours dit, on va dire, coup de tonnerre, et bien, il y a en plus d'informations qui sont avec qui il est là, nos dossiers qui sont 800 qui entrent en appréhension. Tout dossier nous allons analyser, nous allons manger, nous allons défortifier là. Est-ce que c'est le plan qui monte là encore pour Haïti? Eh bien, nos documents qui divulguent dans le Pentagone révélaient que il fallait de terrifiants groupes mercenaires 800. Wagner a opéré en bas
en bas, États-Unis en Haïti. Après que chef groupe là, il était ordonné exécution. Ils ont déserté avec eux. Ils ont les gamins. Non, c'est le New York Times. Groupe Wagner a déjà pris pied. Pour là où ici, dans au moins une demi-douzaine pays en Afrique. Et comme maintenant, la opéré en Haïti. Documents qui classifiés, divulgués, derniers jours, ont révélé de nouvelles informations sur le groupe national qui a la réputation. Je parlais qui est extrêmement brutal et impitoyable. L'année dernière, chef groupe là, il a ordonné exécution. Yon traite avec yon morceau de couillères. Et après, quelqu'un enfuit côté Ukraine. Et en réponse, et yon mis document qui classifié du régime. Ce même temps, yon révélé yon groupe mercenaire russe qui a opéré en Haïti, en bas né États-Unis. Yon parle de groupe terroriste qui est devenu viral en 2022. Avant que vous vidéo, vous avez demandé, vous avez débattu, et bien, à moi, qui est déserté avec un morceau, nous avons dit qu'il est propagé en ligne. Et bien, nous avons proposé aider le gouvernement haïtien à siéger, lutter contre la violence. Et bien, nous avons détaillé le document. Groupe Wagner, qui a déjà établi un pied pour la Russie, dans au moins une demi-douzaine pays en Afrique. En plus des liens en Turquie et en Syrie, alors que capacité militaire épuisée, Kremlin, qui a révélé les questions de violation, renseignement. Vous, maintenant, vous semblez rester une force puissante. Mais responsables ont affirmé que vous êtes capable, vraiment impossible, de retracer toute origine puissante. Parce que nous parlons peut-être des milliers de responsables. Gouvernement américain qui disposait des autorisations de sécurité nécessaires pour accéder à un document sérieux. Ils ont mis des documents qui classifiés, divulgués, pendant ce même temps révélés, ils groupe mercenaire russe, de Wagner comme opéré en Haïti, en bas des États-Unis. On a ces groupes mercenaire privé Wagner, en parlant de Yevgeny, on a pris Bozen qui admet qu'il est fondé. Dirigé et financé groupe là, l'année dernière, après ce qu'il était lié pendant des années. Là, encore une fois, est-ce que Haïti, son véritable savant, comme ancien ministre, comme ministre, Foucault qui est toujours là, en parlant d'Émilie Prophète, il était annoncé, nous dit des territoires perdus, nous territoires perdus, tu vas forcément ou pas qu'à aller là-dedans, c'est des territoires ou pas de contrôle. Est-ce que ce n'est pas tout Haïtien qui procède comme des territoires perdus? Est-ce que ce n'est pas depuis sous président Jovenel Moïse, nous commençons à venir avec des territoires perdus? Parce que lorsque les mercenaires, nous te rendons un, nous ne pouvons pas oublier sept mercenaires qui sont rentrés, mais qui sont des RH, nous deux, nous ne pouvons pas oublier les mercenaires. C'est là, président Jovenel Moïse, quand c'est ministre, on va dire des ministres, pour faire la question. Là, moi, je suis nègre. Qui est un gouvernement Jovenel là qui a prêté après Jovenel Moïse, mon cher, ou avec du mot par le pouvoir. Lorsque au ministre de la Justice, lorsque au ministre et ministre intérieur, et vous avez à cette époque, premier ministre, que nous-mêmes, nous avons tous vu en état, tout le monde a trouvé son habitant, et pourquoi pas, et Léon Charles. Je dis des mercenaires, ils ont entré la boule, venus combattre le groupe Marégan, et depuis lors, le mot Jovenel Moïse commençait à planifier. Lorsque les autres moutés en la boule, ils ont fait les reins pour devenir combat dans ce matin-là. Pas de un interdit, pas de un interprète, ni Gonzague, ni Wopre Levesson, ni Eléonstal, ni Premier ministre, ils ont toutes ces destinations comme si c'était une belle bagaille pour des mercenaires étrangers admirer la police gouvernée, personne n'a jamais rien. Et vous pouvez juste, vous pouvez des mercenaires pour aller entrer dans des opérations dans la saline avec le village. Pas de monde qui dit rien jusqu'à ce que les mercenaires aient assassiné le président. Là encore, je viens nous apprendre et nous voyons notre temps qui, par rapport à un document qui a divulgué, qui va apprendre qu'il y a des mercenaires, oui, et au bout des couillères, des mercenaires qui sont vraiment brutales, qu'on va même prendre des mercenaires pareils à Mato, ça veut dire où est-ce que les mercenaires qui ont même mangé des démons.
là, dans pile question, on t'a posé par rapport qui comment faire mettre les oui à organiser Haïti. Et pas oublier, Haïti pas bon lien diplomatie avec nous comment parler. Et la Russie, nous avons plusieurs pays, mais c'est qu'on mais on voit le pays d'ailleurs, l'extérieur participe, c'est le pays qui a des relations avec la Russie. Mais comment on fait des mercenaires avec facilité, c'est qu'on va passer là. Je parle, Yevgeny, ou bien Prigozhin, chef PMC, Wagner, il a déjà communiqué au gouvernement haïtien, intervention dans le pays d'Haïti, dans aider pour la sécurité. Comment faire arriver là? Qui est-ce qui va le gouvernement attendre? Est-ce qu'on va se paniquer en gouvernement Ariel Henry? Est-ce que les États-Unis viennent jouer ça comme gérant? Est-ce qu'on veut dire Haïti non jeu géopolitique? Mais nous ne même pas nous mettre ça, mettez nous là. Mais parce que nous allons analyser toujours et parce que PNC, je parle de Wagner Group, qui est une organisation paramilitaire qui bataille pour intérêt en dehors des pays de la Russie. Qui envisageait vivre avec le gouvernement pédagogique, donc beaucoup de mais comme un gang. C'est le journal anglais de l'Imaï, s'assemblait des documents sensibles qui t'apprend la vie et qui révélait quelques mercenaires qui a préparé pour entrer en Haïti bientôt. Yevgeny Prigozhin, chef suprême du groupe Wagner, c'est un ami pour le président Vladimir Poutine. Et le groupe Wagner, qui a dit Géa, j'ai vu au Sougali, dans la ville de Saint-Pétersbourg, dans le pays de la Russie. Vous croyez déjà intervenu, regardez bien, dans plusieurs pays de la Russie, pour que vous-même, vous prenez des sanctions, la République, sans s'enfuir, pour que je dis, nous avons une bataille qui est en diagnostic, et des terroristes, et pourquoi pas, nous connaissons la France Belgique qui a occupé des territoires africains, je parlais, et Burkina Faso, je dis qu'il y a une grosse bataille. Contre l'armée française et eux-mêmes qui font des alliés avec le pays là. La Russie, je parle de Soudan, je parle de Mali, nous connaissons qui est Ibrahim Traoré, qui a fait une bataille et contre l'armée française et contre l'Occident. Et bien, je parle, et puis nous là, pays Venezuela, pourtant, États-Unis ou Wagner, comme une menace géopolitique, comme travail contre Israël. Et là, Jimmy, nous allons proposer. États-Unis ou Wagner, comme une menace géopolitique, pognant, côté, maintenant, oui, à capable d'entrer là. Un, si nous sommes là déjà, nous avons aidé le gouvernement pour ma gueule, est-ce que Ariel a toute capacité, a toute force pour ce qu'on va faire maintenant de là? Je dis non. Un, là, pognant, on va questionner et ministre à Bernard Angel, Josia qui là. Nous connaissons ce qui est le PHTK, Matéli, Josia qui est le international là, en parlant de Généris. Eh bien, Josia, comment faire, Généris, Josia, eh bien, il y a des mercenaires qui sont là pour dire que Généris n'est pas là au point. Josia va oublier Ariel, occupé de deux fonctions. L'été ministre intérieur et l'été ministre et premier ministre. Josia, comment faire des mercenaires qui sont là pour Ariel Henry. Josia, comment faire pour le gouvernement et rester on a pour confirmer. On a pour questionner est-ce que rencontre qui s'est pendant le week-end là, est-ce que c'est pas. Mais est-ce que c'est pas une grosse question? Mais Ariel Henry, par rapport à l'information que nous connaissons, c'est pour l'autre gros fait qu'il ne va jamais oublier en parlant de ministre de force. Voilà. Bon, c'est sûr, certain. Et mesdames, messieurs, c'est en pile info qui est là. Nous, c'est nous-mêmes, nous demandons même tout pour réfléchir, pour respirer un peu. Parce que pour qu'on y a là, tout qu'on a essayé de comprendre, tout expert, et même l'or et l'eau, comme ça, tout a posé question, a essayé de comprendre. Information, ça, pas oublier que nous disons, c'est des informations vraiment top secrètes, même j'en ai avec Wikileaks qu'on a sorti. Donc, pour qu'on y a là, c'est sûr, certain, et beaucoup de gouvernements, ça, ils ont fait silence, comme d'habitude, ils ont fait silence. Mais, Salomon, je dis, hein, pas oublier que ça pas même fait un bon 3-4 jours, nous disons que justement, eh bien, nous pas confirmé que c'était des agents FBI à 100% qui étaient rencontrés Ariel Henry. Nous devons connaître que j'ai un avion qui débarquait côté que vous mettez Ariel de côté, vous avez parlé avec lui. Est-ce que c'est dans le même cas dossier qui ultime et qui vraiment secret ça? Ou si c'est dans l'autre dossier, nous ne connaissons pas. Mais simplement, mesdames, messieurs, dossier ça a très, très, très sérieux. Et puis,
Jean Lodil, pour qu'on y a là, nous ne pouvons pas crédit à personne, mais simplement, faut nous poser nos questions. Qui est ce dans le moment où on a parlé là qui a une capacité pour d'achita pour avec la Russie? Ok, si on pose nous, qui est ce qui a une capacité ça? Ou du moins, nous avons regardé publiquement, qui est ce qui a une capacité ça? Et ça, nous ne pouvons pas nous faire un ça parce que nous ne pouvons pas courir dit non, mais. Qui est-ce qu'on a un pays qui compte soi-disant Chita avec Venezuela, avec des Russes ou ainsi de suite? Qui est-ce là-dedans? Bah, ces questions, ça aussi des questions que nous sommes capables de répondre très bientôt. Mais l'essentiel, pour information, ça, c'est sur certaines populations, mon bouquet, ils ont même, ils voulaient écraser le groupe gang. Depuis ces gangs qui gagnent dans le pays, pas ces populations. Si nous avons statistique là, si nous avons dit que la Russie, des mercenaires russes à prendre en Haïti, en plus, nous sommes contents. Parce que vous bouquez avec question gang. Salomon, oui, on a avancé puis on a pris une question. On a Et là, et nous avons dit, nous avons questionné par rapport avec l'arrivée là. Mais nous sommes arrivés dans le parti, nous devons faire les gros faire, ministre de Fonction. Mais, je veux dire, comment faire un président assassiné? Jean-Éloi Joseph, toujours était comme ministre de Fonction, et je veux dire encore, maintenant, il est ministre de Fonction pour contrôler le territoire national là. Nous, ministre de Fonction, Joseph, qui vole Éloi Joseph? Maman, il y a des problèmes dans les manges en Haïti. On ne peut pas soulever pour nous dire, mes amis, ça c'est ton bateau. C'est toi là, c'est ton mal. Non, si c'est comme vous voulez faire, vous n'avez pas mal. Si vous avez pour l'autre, non. Question de la histoire, vous n'avez pas le ministre de Défense. Vous connaissez que, même comme nous avons dit, on va mettre là, et nous allons faire quoi pour Chita là. Depuis que vous avez dit, on peut être assassiné là. Ou par exemple, d'Asian, et vous êtes ministre de Défense, je vais dire encore, mais c'est là où vous avez là encore, on va vous faire un gaz. Qu'est-ce que vous pouvez poser par rapport à ça? Si mettez les 8 en pied là, est-ce que